Salut les jeunes cyclistes amis, je suis aujourd'hui à Rennes, mais juste devant la gare de Rennes. Je suis invité par Orange et demain on va aller découvrir un bout de la quatrième étape du Tour de France. Allez, c'est parti! Alors les jeunes cyclistes dynamiques, je termine mon petit déj et puis ensuite on va aller directement sur les lieux du départ. Donc je vous rappelle, on va partir de pas très très loin de Vitré, donc un peu après Vitré, pour faire 23 km de la quatrième étape du Tour de France, celle qui va de Redon à Fougères. Et en plus du sac Tour de France offert par ASO, Orange nous a fait faire des super maillots. Regardez pas un peu, j'avais jamais mis d'orange encore, mais c'est pas mal du tout, non? Alors du coup, on est au départ de notre inside. Ici, j'ai mon vélo qui était réglé à ma taille. C'est un Giant TCR qui est en Ultegra. C'est un bon vélo. Et puis il y a tous mes camarades qui sont là. Donc ils sont en train de se faire régler leur vélo. Et derrière moi, il y a toute l'armada de vélos qui servira pour l'inside Orange aujourd'hui. Vous voyez, c'est bien équipé, hein, ça déconne pas. On va partir d'ici une heure et demie, je crois. Et on fera les 23 derniers kilomètres de l'étape 4 du Tour de France. Dernière étape avant le briefing et la signature sur le petit tableau là. On va mettre le dossard que j'ai préalablement froissé pour me permettre de le mettre plus facilement sur mon maillot. Alors c'est assez particulier parce qu'on va pas seulement faire du vélo, on va aussi être encadré par une team de motards juste derrière moi. Comme les coureurs du Tour de France, ça va être assez abusé. Alors moi j'ai déjà vécu ça dans les courses en ligne et dans certaines courses de vélo. Et je dois dire que là, le faire sur une grosse route avec personne autour de nous, ça va être quand même le feu quoi, j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je suis un ancien cycliste qui a participé à plusieurs fois le Tour de France. Donc aujourd'hui, ma mission c'est de... Donc là on signe par ordre. Moi je suis numéro 2. Ouais, Maxence. La classe. Tac. Et voilà. 2-3. C'est bon. Attends, yes. Ah, le petit smiley. Zidane. On peut arrêter là, je suis fatigué. Et du coup, on est parti. Donc ça c'est la première difficulté de la journée. Un faux plat montant, comme on en voit beaucoup dans cette région. On va aller se regrouper. En tout cas, ils nous applaudissent les gens. Bon là, après le premier faux plat, on va enfin passer une partie en descente. Et ça va rouler un peu plus vite. J'ai déjà mis le grand plateau. Allez, on va avoiner. Et comme vous le voyez, en fait, on a la route qui est ouverte par la voiture de l'organisation. Et on est aussi encadré par les motos à ma gauche. C'est la télé, les gars! Ce qui est sympa avec les insights du Tour de France, c'est que tu peux profiter de routes qui habituellement sont blindés de bagnoles où ça roule super vite, genre comme celle-là. Mais avec ton vélo. Ça va, ça se passe? Ah, la frime, c'est loin. La grosse. On est au frime. Grand prix de. Hein? Au grand prix de la pédale, les pédales douces. Voilà. Il y a quand même une petite place sur le parcours, on va leur montrer.
dans l'échappée là, Pierre. Allez, on est dans l'échappée. Je rêve à des victoires que j'ai vues sur le bord de la route ou à la télévision, mais. C'est dingue. Virtuel. Attention, il y a un plot au milieu. Il y a quand même. Il y a Guérin Thomas qui est tombé sur un hauteur, je crois que. Ah bah ouais. Chute de Guérin Thomas. Ah ouais, sur un ralentisseur quoi. Ouais, ah, c'est infernal. Bon alors ça y est, on est arrivé à Fougères. J'ai déposé mon vélo là-bas et on va aller faire une photographie sur le podium, le vrai podium, le véritable podium, celui où le vainqueur d'étape sera récompensé et où le maillot jaune enfilera le maillot jaune. On va aller voir comment ça se passe dans les coulisses du Tour de France, dans les coulisses de la diffusion. Toutes les installations qu'Orange met en œuvre pour pouvoir permettre des diffusions qui marchent bien. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être fat. On va essayer de voir les détails techniques au fur et à mesure. Alors là, on est dans le cœur technique du Tour de France. Il y a des câbles partout. Faut pas que je me casse la gueule, là, il y a encore des câbles là. C'est ici qu'en fait, il y a toutes les retransmissions télé. Donc il y a France TV là, juste là. Là, il y a la RAI, c'est la télévision italienne. Et puis j'ai vu pas loin la RTBF. Je crois là-bas. C'est le Qatar là-bas là. C'est ouf. C'est pas normalement pas dans les anciens, mais c'est plutôt pour vos chevilles. Là, on est vraiment dans la zone technique quoi. Il y a des câbles partout. Il y en a par terre là. Il y en a d'autres là. Là, c'est le car régie pour télévision, comme on en a vu à Épinal, dans la vidéo que j'ai faite pour les championnats de France. On est vraiment dans le sein des saints. Waouh! Avec le gros car orange derrière moi. C'est même pas un car, c'est un smirmorque. C'est même pas faire la différence entre un car et un smirmorque. Citadin de tes morts. Ce qui est ouf, c'est que tout ça en fait, bah, c'est démontable. Ils se barrent avec le soir et ils installent bah, à un autre endroit, à la prochaine étape. De fou. Tout ça, ça se remballe, ça se remplit, ça se démonte.
C'est dingue. On va rentrer dans le camion principal qui est un central téléphonique sur roulette qui permet d'alimenter toute la zone technique du Tour de France. Wow. Oh là là, je suis en train de voir les boîtiers techniques là, avec tous les fils, c'est un bordel, c'est un truc de fou. Là, je garde mon masque. Oh. Une quantité de fils. Là, c'est vraiment le centre névralgique de la diffusion des informations sur les arrivées du Tour de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois, ils doivent réinstaller pour chaque arrivée des nouveaux câbles. Donc, tout ça là, ils remballent tout tous les soirs, ils réinstallent à chaque fois. À chaque fois, c'est un nouveau défi en fait. C'est un nouveau challenge chaque jour qu'ils se doivent de relever pour faire en sorte que la diffusion elle se passe bien et que tout puisse être diffusé par tout le monde. Alors, tout ça par France Télévisions, la RAI. Puis utiliser toutes les images. Donc il y a les images de l'arrivée, je ne sais pas combien de caméras, il y a les images du podium, il y a celle vainqueur d'étape, etc. Tout ça, ça transite par le camion qu'on vient de voir, donc c'est vraiment le cerveau du truc et ça doit du coup être déplacé, réinstallé à chaque fois. Il y a un camion de secours qui permet de garantir le fait qu'il y ait continuité du service en cas de problème et que ce soit juste un problème au niveau du camion, au niveau de la remorque, au niveau même de l'architecture technique du truc. Et c'est vraiment une logistique de fou furieux. Qui est mise en place et organisée par Orange dans le cadre du Tour de France. Ouais, c'est un gros travail. Non, mais en vrai, c'est un petit peu, c'est plus beau que ça. Enfin, et là, je viens de l'appeler, il me dit un nom super bien passé. Donc là, on est sur la zone d'arrivée. Derrière moi, il y a la ligne d'arrivée de l'étape du jour. On essaiera de se mettre là pour taper sur les barrières. Tout à l'heure, quand les sprinteurs arriveront à bloc dans la ville de Fougères, ça va être de la balle. Donc nous, on se dirige vers l'espace Tourmalet qui est juste en face. Qui est là, on pourra se poser en attendant que les coureurs arrivent sur la ligne. Là, on est en train de grimper tout en haut du camion. Alors, une vue plongeante sur l'arrivée. Ah, ça déconne pas, hein. Voilà, on est déjà au retour à la gare de Rennes. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à ce qu'on se recroise ici ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.